aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être les 100 questions que personne ne pose. Voilà. Donc à la base, je devais le faire avec une amie sur Skype, mais elle n'est pas connectée. Et donc voilà. Alors, première question. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Fermée, parce que j'ai peur de me réveiller en pleine nuit et qu'il y ait quelqu'un qui m'observe, qui est devant ma porte et qui m'observe, tu vois. Oui, je suis chelou. Hein. Emportez les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels. Non. La dernière fois que j'ai été dans un hôtel, c'était quand? Ah si, qu'on avait été en au voyage au ski. Ben, on a dormi dans... Enfin, c'était pas vraiment dans un hôtel, mais bon, voilà, quoi. C'était dans un chalet hôtel, tu vois. Et du coup, ben non, il n'y avait pas d'échantillon. On va emporter soi-même son shampoing. Et voilà. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Pas fait du tout. Enfin, je mets juste la... Je mets juste les couvertures en place et voilà, c'est bon. Pour moi, mon lit, il est fait. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non, je pense pas. Utilises-tu des post-it? Non, moi j'utilise le truc sur mon téléphone. Découpes-tu des bombes réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Je découpe jamais de bombes réduction, c'est ma mère qui les découpe, mais c'est elle qui s'en sert pas. Tu préfères être attaqué par un gros ours ou une armée d'abeilles? Un gros ours. As-tu des taches de rousseur? Non. Non. Souris-tu sur toutes les photos? Non. Je ne souris pas sur toutes les photos. Donc, c'est écrit, j'ai oublié de répondre, mais oui. En fait, j'ai regardé un tag comme ça. C'était celui d'André Phoenix. Il y avait les questions dans la barre d'infos. Et du coup... Et du coup, j'ai mis les questions sur là, voilà. Et du coup, voilà. Donc ça, c'était sa réponse à elle. Et moi, non, je ne souris pas sur toutes les photos. Quel a été ton plus gros caprice? Mon plus gros caprice, c'est... Ben, je sais plus. Voilà, je sais plus. Comptes-tu les marches que tu montes? Quand je m'ennuie ou quand il y a beaucoup de marches? Comme ça, arrive-moi, je me dis... Wow, j'ai... Oh putain, j'ai perdu mes mots. Oh, il y a une mouche. Je dis, oh putain, j'ai monté plein de marches. Hein, le nombre de marches, là. As-tu déjà fait ta petite mission besoin dans la forêt? Oui, on l'a fait, la petite. Et la grosse mission? Non. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas faite. Comptes-tu les... Bon, je l'ai déjà fait, celle-là. Danses-tu, mais s'il n'y a pas de musique? Bah oui, la musique, c'est dans la tête. Attendez, je descends. M'achètes-tu le bout de tes stylos à crayons? Oui, je m'achète tout. Les quatre couleurs, les crayons normaux. Enfin, les stylos, quoi. Les critériums, les sacres, les crayons de couleur. Je m'achète tout. Voilà. Même si les critériums, elle a la gomme au bout, tu vois. Mais bon. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Avec moi-même. C'est pas mal. Quelle taille fait ton lit? Quelle taille fait mon lit? Je crois que c'est un lit de personne. Bah oui, c'est un lit de personne. Bah, je suis seule, donc voilà, quoi, on va pas prendre un lit de personne. Quelle est ta chanson de la semaine? Tout de suite, un petit extrait. Est-ce ok de porter du rose? Bah oui, même si je déteste le rose. Enfin, bon, à part si tu mets plein de rose, tu vois, tu genre ça. Quoi, voilà, quoi. Regardes-tu encore des dessins animés? Bah oui, je suis encore un enfant, donc je regarde encore les dessins animés. Hein. Voilà. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Je sais pas. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Bah je te le dirai pas. Parce que, imagine que tu trouves un trésor et que je te dis la cachette. Et du coup, voilà quoi. Que bois-tu en mangeant? De l'eau. C'est-à-dire que manges-tu en buvant, tu vois. C'est très chelou. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? De la sauce. Quel est ton plat préféré? Les sushis. Voilà. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer? Intouchable. Parce que j'aime bien. La dernière personne que tu as embrassée? Mon chat et mon chien. C'est bien, hein? C'est déjà bien. As-tu fait les scouts? Non. Pourrais-je en train de réfléchir à moi, non? Peux-tu désigner pour les magazines? Non. Non,
Même habillée, je suis moche à redénuder, tu penses même pas. Hein. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Alors c'était en français, on nous avait fait un contrôle, il fallait écrire une lettre à quelqu'un en racontant ce qui nous était arrivé. Et voilà, c'est la dernière lettre que j'ai écrite sur du papier. Voilà. Cette semaine de l'essence dans une voiture. Je sais mettre l'essence, mais après l'utiliser, tu vois, en conduisant la voiture, non. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Non. Non. Tombant en panne d'essence de voiture? Non. Ton sandwich préféré? Un sandwich au pain. La meilleure chose au petit déjeuner? Je sais pas, moi, des céréales? En principe, à quelle heure es-tu de coucher? Ça dépend, enfin, parce que pendant les cours, je vais dire à ma mère que je vais me coucher. Je peux à 22h, ouais. Mais je crois que sur mon téléphone, pendant longtemps, mon téléphone, mon ordi et tout. Et du coup, voilà quoi. Le matin, je suis hyper fatiguée. Et pendant les vacances, voilà, quand je suis fatiguée, hein. Attendez, je viens de t'es où? Ah oui, voilà. Es-tu feignante? Oui, beaucoup. Quand tu étais petite, en quoi t'es déguisée-tu pour Halloween? J'ai pas besoin de me déguiser, moi. J'ai déjà peur, hein. Quel est ton signe astrologique chinois? Alors, j'ai regardé, comme par hasard, hier, je suis une chèvre. Je suis née le 10 avril 2003. Je suis une chèvre. C'est trop bien. Combien de langues peux-tu parler? Alors, le français, non, j'ai un très bon anglais. J'ai un espagnol assez nul. Et vu que j'ai des origines arabes qui viennent de très, 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 très loin. C'est-à-dire, il y a 150 milliards d'années. Non, peut-être pas, mais je parle un tout petit peu d'arabe. Voilà. Es-tu abonné à un magazine? Pas du tout. Plutôt Lego ou Domino? Lego. Es-tu têtu? Très, très, très têtu. Voilà. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Les infos et moi, ça fait 150. Mais Claire Chazal est partie, donc je vais dire Jean-Pierre Pernaut. Hein. As-tu déjà regardé les séries de l'autre? Les pires séries du monde. Oh là là. As-tu peur des vides? Ouais et non. Oui et non. Je suis en tout dans la voiture. Oui, enfin ça dépend avec qui je suis, tu vois. Si je suis avec... genre... Par exemple dans le bus. Moi je chante pas dans le bus. Voilà. Par exemple si je suis avec mes soeurs et tout, on chante. Si je suis avec mes amis dans la voiture, on chante. Mais genre dans le bus, quand je sais pas voir, quand c'est la mère d'une pote qui me ramène, on chante pas en fait. Chante-tu sa douche? Non, parce que mon entourage, mon père, ma mère, mes soeurs, on lui dit, ferme ta gueule, bordel, tu chantes mal! Reconstitution, hein, voilà. Danses-tu dans la voiture? Non. Je sais que je suis petite, mais pas au point de danser dans la voiture, c'est beau. Utilise un pistolet. Non, je suis pas une criminelle. Non, non. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe, si ça compte, les photos de teuf, c'était en début d'année. Voilà. Aimes-tu des comédies musicales? Ça dépend. Mais bon, je n'écoute pas au max, tu vois. Mais est-il stressant pour toi? Non, ça va, c'est trop bien. As-tu déjà mangé un pierogi? C'est quoi? Attendez. Je bug. Mais attendez. J'ai Camille, une amie. Elle avait un compte avant, c'était Blue Love. Et ben, attends. Pierogi. Ah, un plat de la cuisine polonaise. Voilà, c'est bien ce qu'elle me disait parce que elle a des origines polonaises. Et je crois qu'elle en a déjà mangé. Enfin, moi, j'en ai pas mangé. Hein. Oh, ça a l'air bon. Non, sérieux. Ta tarte aux fruits préférée, aux fraises ou aux framboises. Voilà. Que voulais-tu faire quand j'étais enfant? Je suis encore enfant, donc voilà quoi, je sais pas. Crois-tu aux esprits? À mort. T'as vu, petit jeu de mots? Oui, oui, j'y crois. As-tu des impressions de déjà vu? Oui, et ça c'est chiant, tu vois. Prends-tu des vitamines? Tout le monde me dit que je suis hyper active, tu sais, alors j'ai pas besoin de vitamines. Ma grande soeur, elle est plutôt calme, et ma petite soeur aussi. Moi, je suis au milieu, je suis bien là pour mettre l'ambiance. Et des fois, ça les saoule et elle me vire. Oui, oui, même ma petite soeur qui a 11 ans, elle me vire, oui. Très normal. Mais elle me dit d'arrêter, tu vois. Portes-tu des pantoufles? À ce moment même, non. Là, je suis absolument pieds nus. Voilà. Non, mais ça dépend. Hein?
Ah merde. Excusez-moi, ça a coupé en fait. Parce que mon bandicam, j'ai oublié qu'il filmait que 10 minutes de vidéo. Donc voilà. Alors, portée des pantoufles. Non, voilà. Un peignoir. Non. Je porte pas de peignoir. Que portes-tu pour dormir? Ça dépend des saisons. L'hiver, je prends un gros truc parce qu'il est trop froid. Le printemps et l'automne, je prends un truc assez léger. Et l'été, je dors en télardeur et en culotte. Voilà. Ton premier album reçu? Oh, j'en sais rien du tout. Hein. Oh là là. Carrefour, Delhaize ou Lidl? Carrefour, parce que Lidl, j'y vais rarement et Delhaize, je ne connais pas. Nike ou Adidas? Adidas. Hamburger ou frites? Hamburger. Champ de tournesol ou de coquelicot? De tournesol, parce que j'aime pas trop les coquelicots. As-tu déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non. As-tu déjà pris des cours de danse? Non. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Je sais pas, moi. Parle pas de mariage. De mari. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Je crois que je sais faire une forme d'étoile. Mais c'est assez moche, donc je vais pas me montrer. As-tu déjà gagné une coupe? Oh, non. Bah, je suis nulle, hein. As-tu déjà pleuré de joie? Bah oui, quand j'ai gagné une coupe. Non, non, je crois pas que j'ai pleuré de joie, hein. Oh là là. As-tu à quelqu'un une île? Non. As-tu un tour de liste? Non. Vous tueriez un homme d'enfant? Non. Es-tu déjà tombée amoureuse? Oui, mais ce mec m'aimait pas. En fait, je demandais à ma pote d'aller lui demander. Elle dit, c'est un canular. C'est, oui, oui, c'est un canular, mais si on t'avait posé la main, t'aurais répondu quoi? Bah non, en fait. Je l'aime pas vraiment. Donc voilà, il m'a bien... qui aimerais-tu voir en concert? Je sais pas. Le dernier album que tu as acheté. Ah si, c'est qu'en primaire, on a été voir une espèce de spectacle nul à chier. Et les primaires avaient... Enfin, les profs avaient demandé, par contre, d'acheter l'album pour récolter. Donc ceux qui voulaient, ma mère l'a acheté. C'est de la merde. T'es chaud, t'es glacé. T'es au café, aucun lien parce que c'est nul. Avec du sucre ou des petits gâteaux? Des petits gâteaux et du sucre en même temps. Si tu viens nager? Ouais, ça va. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Bah oui, quand j'ai loqué, je suis obligée de faire ça, hein. Es-tu patiente? Pas du tout. DJ ou groupe pour un mariage? Bah, DJ. Enfin, je sais pas, à quel moment du mariage, quoi. Bon, quand il demande, veux-tu prendre pour répondre à un, ok, un petit jet, ça peut être nul, mais bon, voilà. As-tu déjà gagné un concours? Non! Ah si, j'ai déjà gagné au loto. Une fille avait fait un loto sur MSP et je l'avais gagné. Voilà, c'était cool. Olive verte ou noire? Olive verte. Si tu couds, on t'a écouté. Alors, la dernière fois que j'ai cousu, je vous promets, j'ai cousu mon pantalon avec ce que je cousais, en fait. Donc, tout, c'était génial. J'avais un double jean. Meilleure pièce pour une cheminée, le salon. Veux-tu te marier? Non. Si tu es mariée, cela fait depuis combien de temps? Mais je suis pas mariée! Avais-tu un amant en primaire? Oui, mais je l'ai revu récemment. Il est moche. Il est devenu très moche. Très 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 moche. Pleures-tu? Qu'est-ce que ça a mieux ou tu gardes tout pour toi? Je garde tout pour moi. C'est peut-être ça mon défaut. As-tu des enfants? Non. En veux-tu? Oh, mince. Ouais, mais bon. Quelle est ta couleur préférée? Le bleu turquoise. Comme la couleur de Skype. À peu près. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Personne. Absolument personne. Regarde-tu Koh-Lanta? Avant, je regardais. Maintenant, je regarde de moins en moins. Parce que je trouve ça de plus en plus nul, en fait. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, désolée de ne pas avoir filmé avec ma pote. Mais elle n'a pas pu se connecter sur Skype. Donc, c'est dommage. Donc, voilà. Si vous avez aimé les... N'hésitez pas à laisser un like et sur ce, je vous fais des gros bisous.